Bonjour tout le monde. Coucou Nadine, bonjour Christine, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Je suis très contente de vous retrouver après cette longue absence. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes en forme. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires pour me dire que tout va bien, que vous êtes là, que vous m'entendez. Coucou Marianne. Moi aussi, je suis ravie de vous retrouver. Coucou Nathalie. Comment allez-vous tout le monde? Dites-moi, dites-moi. Je vais juste laisser le temps à tout le monde d'arriver. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble en live. Hop. Alors, je vais vérifier que tout va bien. Partout. Ok. Tout a l'air de fonctionner correctement. C'est parfait. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver. Hop. Coucou Fabienne, comment vas-tu? Ok. Alors, bon, on sera peut-être un petit peu moins nombreuses que d'habitude, mais bon, c'est normal. C'est l'été, c'est les vacances, donc tout va bien. Coucou Véronique, oui je te remercie. Des vacances très agréables en famille. Coucou Isabelle, alors j'ai eu du mal à me connecter, tout va bien. Bon, l'essentiel c'est que vous soyez là, c'est super. Je fais bien, je te remercie Isabelle, c'est gentil. Alors, hop, vérifie là. Coucou Brigitte en direct, trop cool. Ça me fait plaisir. Coucou Béatrice, coucou Catherine, super. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live créatif. Quelque chose de très simple pour vous apprendre ou vous réapprendre. Une petite technique très simple mais qui donne un effet vraiment super sympa. Donc je vous montrerai la base et puis après vous verrez, vous pourrez décliner cette technique. À de nombreuses occasions et de façon plein de façons différentes. Nadine, pas trop dur le retour, si un petit peu. J'avoue, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu dur. Mais bon, voilà, il faut un petit peu de temps pour se remettre dans le bain. Mais ça va le faire et en tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Coucou Muriel, ça va ma belle? Moi aussi, Béatrice, je suis contente de vous retrouver. D'ailleurs, je te remercie du fond du cœur pour ta petite carte qui m'a beaucoup touchée. Alors, coucou Laurence. Ah, t'es sur la route, il n'y a pas de problème. Ne t'en fais pas, les replays seront toujours dispo. Alors, j'ai quelques infos quand même à vous donner en ce retour de vacances. Quelques infos intéressantes, il faut le dire. Alors, prenons dans l'ordre des choses. Coucou Sandrine, comment vas-tu? Alors, vous le savez, en ce moment, nous sommes en période de celebration et à cette occasion, comme à chaque fois, Stampin' Up vous propose un super cadeau pendant cette période, donc jusqu'à fin août. Coucou Daniel, et en l'occurrence, jusqu'à fin août, le cadeau, ce sera donc un incroyable agenda. Dans lequel vous aurez tous les feuillets nécessaires jusqu'à fin décembre 2023. Donc du coup, on a largement le temps de voir venir plein de stickers, trois jolis cahiers et un super set de tampons qui sera vraiment parfait pour toute votre organisation. Donc ce cadeau, il vous est offert donc si vous rejoignez la famille Stampin' Up. En l'occurrence, pourquoi pas rejoindre mon équipe des Stamp Lovers. Donc n'hésitez pas et la promo, donc, elle dure jusqu'à fin août seulement. Donc ça, c'est vraiment à part. Il y a aussi donc tous les cadeaux qui vous sont offerts à l'occasion de vos commandes, bien sûr. Ce n'est pas moi qui conduis, rassure-toi. Non, non, je suis pas inquiète, t'en fais pas. Je me doutais bien. Ce serait pas raisonnable sinon, hein, ça c'est sûr. Coucou Sylvie, comment ça va? Non, non, t'inquiète pas Laurence, je me suis même pas imaginé que tu mettais le live en conduisant. Ou alors, ok, mais juste le son. Alors, ensuite, oui, n'oubliez pas, jusqu'au 31 juillet, la tombola est toujours en cours. Donc, un ticket tous les 80 euros d'achat et à gagner la collection complète Histoire de Gnome, qui est donc dans le mini-catalogue juillet. Décembre.
Voilà, donc la tombola est toujours en cours, donc vous avez toujours la possibilité d'y participer, et donc c'est un ticket par tranche de 80 € d'achat hors frais de port. Donc c'est vraiment une offre qui m'est tout à fait propre, hein, bien sûr, et qui n'engage absolument pas Stampin' Up ni les autres démonstratrices, bien sûr. Alors, je regarde en même temps les commentaires sur YouTube, ok, pour être sûr de ne rater personne. Bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, alors, j'aurais pu, et l'une des filles aurait écrit pour moi. Oui, c'est pas bête, Laurence, effectivement. J'avoue. Excusez-moi. Oui, donc, j'avais, au mois de juin, lancé un petit sondage concernant donc les horaires de live. Puisque en fait mon emploi du temps va changer un petit peu et je voulais continuer à vous satisfaire au mieux. Donc j'avais fait un petit sondage quant aux horaires et aux jours qui pourraient vous convenir le plus. Donc les résultats de ce sondage, je vous ai donc écouté au maximum et la majorité donc a penché pour le lundi matin à 10h30. Donc il y en a à qui ça va convenir parfaitement, d'autres non, mais finalement c'est comme le mercredi après-midi, il y en a qui sont disponibles et d'autres qui ne le sont pas. Voilà, donc je ne pourrais pas évidemment satisfaire tout le monde. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé de faire au mieux pour, voilà, pour en satisfaire un maximum et puis pour que ça corresponde bien sûr avec l'ensemble de mes obligations. Donc à partir de la semaine prochaine, nous nous retrouverons donc en live le lundi matin à 10h30, toujours sur Facebook et sur YouTube bien sûr. Les replays seront toujours disponible comme d'habitude, ça absolument rien ne change. Voilà, on se retrouvera juste à un autre moment de la semaine dans les mêmes conditions. Donc j'ai hâte de vous retrouver. Donc du coup là, on se retrouvera dans moins d'une semaine puisque dès lundi prochain, on se retrouvera donc le lundi à 10h30 pour notre live créatif. Voilà. Et dernière info, je vous ai préparé. Coucou Marie-France, bonjour Muriel, je suis contente de vous retrouver. C'est gentil Marie-France, ça me fait plaisir. Donc pour le mois d'août, je vous ai préparé un nouveau kit album. Donc un album assez sympa qui, en ce qui me concerne, va me servir pour mes photos de vacances. Je les ai reçues aujourd'hui d'ailleurs, donc je vais pouvoir très bientôt, j'espère, compléter mon album. Donc vous aurez encore une fois le choix entre deux collections. Voilà, ça vous permettra d'avoir un éventail un petit peu plus large. J'espère qu'il vous plaira autant que le précédent. Je lancerai les inscriptions dès samedi, d'accord? Donc restez connectés samedi. Vous aurez toutes les informations concernant donc ce kit album. Donc vous aurez à disposition tout le matériel pour le réaliser, la vidéo en pas à pas, le tutoriel en PDF, donc comme d'habitude. Donc un album un petit peu plus grand hein, que le précédent. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Je vais vous donner un aperçu tout de suite. Voilà, je vais vous le montrer en vrai tout à l'heure, vite fait, pour que vous ayez une petite idée. Donc avec plusieurs options, le choix entre deux collections, donc forêt animée ou nuances du bonheur. Moi j'ai fait le mien donc avec nuances du bonheur pour les vacances d'été. J'ai utilisé le lot alphabet aussi. Voilà, donc vous aurez toutes ces infos-là sur le formulaire que je publierai donc samedi matin exactement. Et vous allez voir que vous pouvez quand même mettre un certain nombre de photos dedans. Les formats 15-15 rentrent dans cet album. Voilà, j'espère qu'il vous plaira. Je vais vous le montrer rapidement tout à l'heure quand je vais retourner ma caméra. Voilà, donc les inscriptions, c'est jusqu'au 13 août 20h. D'accord? Donc je passerai la commande la semaine d'après, après le 15 août, bien sûr. Voilà. Et puis après, comme d'habitude, vous le savez, le temps de confectionner les kits, de vous les envoyer. Et vous pourrez réaliser à votre tour cet album. Je viens d'avoir une idée fugace. Ah oui, petite info aussi pour les personnes qui ont demandé donc les échantillons. Mes colis sont arrivés donc lundi et mardi. Ils sont en cours de préparation.
Il y a eu un petit oubli dans mon colis, donc j'attends encore un produit, un lot de ruban qui doit arriver. Mais en tout cas, les kits sont en cours de préparation. Donc ils partiront fin de semaine ou début de semaine prochaine au plus tard. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est en cours, je ne vous ai pas oublié, pas de soucis. Alors, hop, je vais rebasculer de l'autre côté. Alors, coucou Laura, je suis revenue, je regarderai en replay. C'est gentil Laura, avec plaisir. Pas de problème, bon courage pour le boulot. Alors, hop, je vais donc changer de caméra. Je vais vous montrer rapidement l'album et puis on va pouvoir démarrer la création de la petite carte. Oui, Béatrice, je connais ça, les problèmes de rhume avec la clim. Je sais ce que c'est, je compatis, ma belle. Alors, voilà l'album que je vais vous proposer donc pour ce nouveau kit. Donc, quelque chose de très coloré, hein, vous voyez, moi, ça sera parfait pour mes photos de vacances. Donc, ici, avec nuances de bonheur. Voilà. Hop. Et puis, du coup, avec quand même pas mal de pages et la possibilité en plus d'en mettre toc à l'intérieur. Voilà, donc c'est le nouveau kit que je vous propose de réaliser au mois d'août pour vos souvenirs de vacances. Voilà, vous avez vu, il y a pas mal de pages, vraiment de quoi se faire plaisir. Donc n'oubliez pas les inscriptions à partir de samedi matin jusqu'au 13 août. Hop, qu'est-ce que vous en pensez? Il vous plaît? Vous pensez que c'est quelque chose qui va pouvoir vous intéresser ou pas? Dites-moi. Ce premier aperçu, qu'est-ce que vous en pensez? Suis désolée de tousser tout le temps. On est encore envahi par les imposteurs et les intrus. Alors, je vais essayer de les bloquer aussi, mais alors. Oui, Sylvie, je sais, il y en a plein. Il y en a plein, plein. Plein d'intrus là, je sais. Malheureusement, à part les bloquer, on ne peut rien faire d'autre. Ok, alors, bien, c'est parti pour la réalisation de cette petite carte et donc la découverte de la technique de masquage. Alors, voici comment se présente notre carte. Voilà. Donc en fait, le principe du masquage, c'est de pouvoir faire des superpositions de plantes, de tamponnage en fait. Donc là, en l'occurrence, nos petits hippos, hein, bien sûr. Coucou Pascal, comment vas-tu? Bonjour Marco Polo. Voilà, c'est vraiment le principe en fait, c'est de pouvoir faire des superpositions sans avoir en fait le tamponnage qui vient se posé par-dessus. Voilà, c'est vraiment très propre. On a l'impression que Madame Hippo, elle est derrière Monsieur Hippo ici. Tout l'intérêt donc de la technique du masquage. Alors, si vous n'avez pas le papier de masquage dont il est question, vous pouvez tout à fait utiliser des post-it, hein, tout simplement. Le principe est le même. Il faut simplement que ce soit quelque chose donc qui colle un petit peu, qui soit un petit peu adhésif, mais qui soit repositionnable, c'est-à-dire que ce ne soit pas comme le double face ou la colle comme ça, qui va rester trop fixé. Il faut qu'on puisse pouvoir l'enlever. Oui, ils sont vraiment très très beaux. Oui, moi aussi, Pascal, je suis ravie. D'ailleurs, je vais vous envoyer un message pour un atelier très prochainement, probablement la semaine prochaine. Je vous envoie ça tout à l'heure. Oui, c'est vrai que Sylvie, ils sont vraiment très beaux. Coucou Camille, comment vas-tu? Tes lives me manquent, oui. Bah oui, toi aussi, tu nous manques, ma belle. Bon courage pour ta formation. Pardon. Peut-on faire album avec un autre papier? Alors, pour l'album, en fait, je fournis tout le kit, hein, donc le matériel, le choix entre deux collections. Je peux tout à fait vous remettre à l'image comme ceci. Voilà, donc vous avez le choix entre forêt animée ou nuances du bonheur. Et puis après, avec les options différentes que je vous propose. Voilà. Et vous aurez donc tous ces détails-là dans le formulaire que je vais publier donc samedi matin.
Atelier Brigitte, oui, la semaine prochaine. Tu pourras nous donner les références pour les tampons. Marie-France, tu parles des tampons pour l'album. Si c'est pour l'album, j'ai simplement utilisé le lot alphabet. Ici, voilà, c'est le lot qui est sur l'affiche. Coucou Nathalie! Et sinon, j'ai pas utilisé d'autres sets de tampons. J'ai uniquement, là, c'est le papier qui est découpé, là aussi. C'est pas des tamponnages, donc il y a juste le lot alphabet ici que je propose d'ailleurs dans les options pour le kit. Ok, alors c'est parti, on va démarrer. Donc en fait, la carte en elle-même est très simple, hein, on se focalise surtout sur la technique du masquage. La carte en elle-même est tout à fait basique. Hein. C'est une base de carte toute simple avec le pli à 10,5 qu'on va faire ensemble, du matage et ça sera bon. Nathalie, mes vacances, ça a été oui, canicule au Portugal. C'était vraiment très très sympa et puis surtout de rencontrer mon petit neveu que j'avais pas eu l'occasion de voir depuis sa naissance. Donc c'était un vrai bonheur de pouvoir retrouver ma belle-sœur, mes deux petits-neveux, mon petit frère. Donc voilà, rien que ça déjà, ça suffit pour se faire des bons souvenirs et de passer des bons moments. Mais on a eu bien chaud. Alors c'est parti, ma base de cartes sera en fleur de cerisier, 21 par 14,85, vraiment basique comme d'habitude. Non, je fais une bêtise. Et donc sur le bord long, je viens faire un pli à 10,5. Donc ça. Pour la plupart d'entre vous, vous en avez l'habitude. Hop, c'est la base. Toc. Voilà. Ensuite, donc j'ai ici Oasis d'orchidée que je vais remplacer pour cette version-là en sorbet sucré. D'accord? Donc ça sera mon matage. Ok. Voilà. Qui lui mesure 10 cm. Par 14,3. 10 cm par 14,3 pour le matage et ici je suis en sorbet sucré. Ensuite, la partie donc blanche qui va nous servir vraiment de support de travail, c'est le blanc donc 9,5 par 13,8. 9,5 par 13,8. Ok, alors on est vraiment envahi. Je bloque, je bloque, je bloque. Ok, donc je répète 9,5 par 13,8. Donc le papier blanc qui va nous servir de base de travail donc pour nos tamponnages et le masquage. Ok, alors. C'est parti. Maintenant que nos papiers sont coupés, alors j'ai un deuxième morceau comme celui-ci, mais ça c'est pareil, vous en avez l'habitude, comme ma base de carte est en fleur de cerisier, eh bien je mets un morceau de papier blanc à l'intérieur, bien sûr, pour écrire mon petit mot. Alors, c'est parti. Je prends mon encre. Je prends évidemment mes petits zippos. Voilà. Toc. Donc je vais prendre les mêmes hein, comme ça. Ça sera plus simple pour tout le monde. Et voilà, on va prendre celui-ci. Mes découpes ici, je les ai déjà préparées. Donc notamment la petite bassine, les petits parapluies. En fait, je vais le mettre en deux couleurs. Voilà, mes petites fleurs aussi, voilà, mes découpes sont déjà prêtes. Ok, donc les tamponnages, ça c'est bon. Alors, ensuite, j'ai préparé donc mon encre piscine partie. En fait, c'est un combo hein, qui est proposé par Stampin' Up. Donc, fleurs de cerisier, sorbet sucré et piscine partie. Voilà, vous pouvez garder ce combo, cet exemple de combo de couleurs puisqu'il fonctionne très bien. Je prépare tout ça. Toc. Et donc, le principe en fait du papier de masquage, c'est donc un papier qui est adhésif mais repositionnable.
et qui va nous permettre donc de faire des tamponnages vraiment très sympas et de pouvoir superposer nos petits personnages en l'occurrence. Alors, je vais déjà me faire une idée du positionnement de ma petite bassine. Voilà. Donc, j'ai déjà pré-tamponné les personnages que je vais vouloir utiliser donc sur, comment dire, sur ma carte. Tout simplement. Hop. Je vérifie ça en même temps. J'ai un bug sur mes commentaires. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes toujours là. Malheureusement, avec les intrus sur le live, régulièrement, ça interfère avec vos commentaires. Du coup, eh bien, je ne les ai plus. Et c'est toujours aussi frustrant. Mais j'ai constaté qu'à chaque fois qu'il y avait ces intrus, c'était le problème. Ça squeeze les commentaires. Donc, je vous disais que j'ai déjà tamponné sur mon papier de masquage mes petits hippos que je vais utiliser, donc toujours celui-ci et celui-là. Et vous allez voir que c'est très simple à faire. Alors, vous avez le modèle ici. Donc, je vais prendre mon petit hippo. Toc. Je vais venir dans un premier temps, donc tamponner le premier sur mon papier. Hop. Voilà. Donc j'utilise bien la Memento puisque je vais faire une colorisation au blend après. Donc vous savez que pour utiliser les blends, il faut toujours utiliser la Memento pour être sûr que ça ne bave pas. Ok. Alors, je vais venir tamponner le premier. Voilà, tout simplement. Et maintenant, avant de... J'ai perdu mon papier. Ah non, il a... Avant de venir donc tamponner la Madame Hippo ici, je vais venir découper mon papier ici. Donc, j'ai donc le même, on est d'accord, et je viens simplement découper au plus près, voire même à l'intérieur du trait d'ancrage, en fait. D'accord? Pour que vraiment le masquage se fasse le mieux possible, que ce soit le plus propre possible. Voilà. Donc en fait, je découpe carrément dans le trait fait par l'encre. Voilà, donc on en laisse un tout petit peu. Merci Catherine, c'est très gentil. Hop. Voilà. Donc c'est vraiment le principe du masquage. Donc, je viens couper à l'intérieur du trait de tamponnage. Donc le principe est tout à fait le même. Si vous n'avez pas de papier à masquage, vous utilisez des post-it, hein. C'est tout à fait possible. Il existe même des post-it qui sont totalement encollés. Hop, voilà. Donc évidemment, c'est un petit peu laborieux à faire. Mais vous pouvez l'utiliser plusieurs fois tant que votre papier tient et qu'il n'est pas trop mouillé, vous pouvez le réutiliser. D'ailleurs, vous avez vu dans ma boîte tout à l'heure, j'ai gardé les précédents. Hop. Donc vous pouvez le faire avec plein d'autres personnages, hein, bien sûr. Que ce soit par exemple les gnomes, vous pouvez les utiliser pour faire des superpositions, mais ça peut être aussi des feuillages aussi, par exemple. Voilà, plein, plein, plein de possibilités. Ok, alors maintenant je vais retirer l'opercule derrière. Voilà, et je viens le positionner tout de suite dessus. Hop. Par-dessus comme ça. Voilà. Comme ça, mon tamponnage est caché par le papier de masquage. Ok? Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais prendre Madame Hippo qui se cache. Toc. Voilà. Et je vais venir donc la tamponner par-dessus. Voilà. Et là, je peux déborder en fait sur Monsieur Hippo. Ok?
C'est parti. J'ancre bien. Toc. Et je viens la tamponner par-dessus. Voilà. Du coup, vous voyez, on a la patte de Madame Hippo qui, en fait, voilà ce qui apparaîtrait si vous n'aviez pas le paquet, le papier de masquage. On aurait la patte de Madame Hippo qui serait apparente ici sur la tête de Monsieur Hippo. Et là, avec le papier de masquage, eh bien, ça ne sera pas le cas. Ça va être super joli. Vous avez vu sur mon modèle ici, j'ai fait donc une colorisation autour à la brosse à estompe. Et là, encore une fois, le papier à masquage va nous être utile parce que je ne voulais pas que mes hippos soient verts. Pour cela, je vais mettre à nouveau du masquage sur le deuxième hippo. Donc, hop, pour gagner du temps, je vais récupérer celui que j'avais déjà coupé. Vous avez compris le principe, hein, du détourage. Je viens cacher. Donc ça c'est celui que j'avais la dernière fois. Donc vous voyez, je l'ai gardé et hop, je peux le réutiliser. Voilà, comme ça mes deux hippos sont bien cachés. Maintenant je vais pouvoir prendre ma brosse à estompe et mon encre piscine partie et je vais venir ici déposer. Hop. Mon encre pour faire ma petite colorisation autour. Hop. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'encre. Donc là, comme j'ai le papier de masquage, je peux démarrer sur l'hippo et ensuite partir sur mon papier blanc. Comme ça, je peux adapter le clair et le foncé. Donc après, eh bien, on diffuse partout où on le souhaite. Donc là, je ne vais pas être obligée d'aller jusqu'en bas parce que je vais avoir la petite bassine dans laquelle va être l'hippopotame. Voilà. Donc là, vous pouvez imaginer vraiment de faire ça, quels que soient les motifs que vous aurez choisis. Hop. Prendre un petit peu. Et je dépose mon encre comme ça, tout autour, comme un petit halo. Voilà. Et du coup, maintenant, eh bien, je vais pouvoir. Alors après, j'en ai plein les doigts. Je vais retirer tranquillement le masquage. Hop. Et là, on voit que du coup, l'hippo, il est nickel. Toc. Et que madame ne déborde pas sur monsieur. Crois que je ne le réutiliserai pas, celui-là. On y va en douceur, parce que du coup. Voilà, tout doucement. Toc. Et voilà. Et du coup, on a bien les hippos qui sont bien tout blancs, sans problème. On voit bien que la patte de l'hippo ici ne déborde pas sur la tête de l'autre. Donc c'est vraiment très très sympa à faire. Du coup, hop, on va pouvoir ensuite déposer la petite bassine. Alors, si tu n'as pas de brosse, tu peux aussi prendre par exemple des doigts éponge pour diffuser l'encre. Et puis sinon, carrément avec le doigt. Voilà, fais des tests avec le doigt dans pâte d'encre, sans problème. On y va en douceur et on fait surtout un test sur le brouillon avant. Ok. Et ben maintenant, en fait, il suffit de procéder tranquillement à la déco. Donc je vais prendre le petit message que je vais tamponner en haut. Toc. Voilà. Après, je vais venir coloriser les petits hippos ici. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Toc. Voilà. Je vais coloriser donc
les hippos ici. Ok, alors pour cela, ardoise bourgeoise, sorbet sucré pour la petite robe et piscine partie ici. Alors, je commence par le clair, je colorise tous les endroits que je souhaite coloriser d'abord avec le blends clair. On n'oublie pas hein, la Memento pour utiliser les Stampin' Blends. Voilà, donc le clair d'abord. Voilà, hop. Toc. La petite jambe ici. Et puis ici aussi. Pareil pour le monsieur. J'ai trouvé des petites éponges. Oui, c'est très bien aussi les petites éponges, Pascal. Hop, voilà. Donc il existe différentes techniques hein, pour la colorisation. Pardon. On commence soit par le clair, soit par le foncé. Moi, en général, je préfère commencer par bien humidifier avec le clair et puis ensuite venir des touches, mettre des touches ombragées avec le foncé. Donc là, je ne suis pas obligée de le coloriser jusqu'au bout, puisqu'il y a encore une fois, il va y avoir la petite bassine. Merci Laurence, c'est gentil. Oui, les hippos, ils sont adorables. On craque complètement. Et puis surtout de savoir que là, par tranche de 60 euros, ils nous sont offerts. Ça serait dommage de s'en priver. Il faut un carton, ces petits hippos. Par contre, n'oubliez pas, hein, ils sont jusqu'à rupture des stocks. Donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Toc, voilà la petite touche de foncé. Et je viens remélanger avec mon clair pour unifier tout ça. Hop. Du coup, vous aurez finalement, au lieu d'une, vous aurez eu deux petites techniques pour redémarrer. C'est pas mal. Hop. Comme ça, voilà. Et puis là, du coup, je vois que j'ai un petit débordement ici. Du coup, je vais utiliser le nuanceur. Ça va repousser l'encre de l'autre côté. Coucou ma Cathy, comment tu vas? Voilà, donc le nuanceur. Et là, du coup, hop, ça va repousser l'encre de l'autre côté. Et du coup, on verra pratiquement plus la petite tache. Mon piscine partie pour le feuillage ici. Voilà, c'est une petite touche de bleu. La petite fleur en sorbet. Ça va, ma belle Cathy? Hop, et le petit tutu de madame. Voilà, on reste bien dans le combo de couleurs fleur de cerisier, sorbet sucré et piscine partie donc. Voilà. Toc. Et du coup, on va lui faire les petits colons. Hop. Et un petit peu de vernis. Pas de soucis, ma biche, profite. Oui, trop courtes les vacances. Bonnes, mais trop courtes. Et voilà. Ok. Alors, je vais pouvoir déjà, dans un premier temps, venir coller ça ici avant de simplement fixer donc toutes les autres petites parties que je vais ajouter. Hop. Hey, coucou Isa. Alors, je vous ferai un petit rappel avant la fin du live hein, de ce que je vous ai annoncé au début pour celles qui sont arrivées un petit peu après, notamment des changements par rapport au live la semaine prochaine, enfin à partir de la semaine prochaine, le nouveau kit album. Je vais vous faire un petit rappel d'ici la fin. Ok, allez, je vais venir coller donc la petite bassine ici sur un modèle que j'avais fait précédemment.
La petite bassine, je l'avais embossée à froid. Toc. Voilà notre petit hippo ici. Et je vais venir donc coller les petites fleurs. J'en ai semé au passage. Alors je vais prendre mon touche-à-tout tout de suite pour les récupérer. Alors, notamment les toutes petites fleurs là. Vraiment minuscules. Alors je voudrais qu'elles se retournent. Je vais prendre ma petite pince. Parce que celles-là, elles sont vraiment toutes petites, petites. Toc. Voilà. Donc, ce que je veux, c'est l'attraper dans le bon sens pour mettre un petit point de colle. Parce que celles-là, elles sont vraiment toutes petites, petites. Un léger point de colle raté. Alors, on va reprendre la pince. Avoir de bons yeux, hein, je vous préviens. Viens ici, voilà, ça y est, je l'ai. Toc, voilà. Elle est où l'autre? Elle est ici. Même principe. Un petit point de colle. Celle-là, ça va le faire un peu plus. Toc, et il me manque une. Qui elle est un tout petit peu plus grande. Oula, ça fait trop là. De bons yeux, il faut de bons yeux. Hop, et je viens la poser ici. Et puis du coup, je vais mettre la plus grande ici et là. Donc là, c'est quand même drôlement plus facile, on est d'accord. un petit point de colle. Alors pour ça, le touche-à-tout, il est absolument parfaitement idéal. Hop. Non, la petite, c'est elle. Voilà. Et la plus grosse sur la petite bâtine. Les poinçons, là, c'est pareil, ils sont offerts des 60 euros et c'est vraiment l'éclate quand même. Hop. Voilà. Nickel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ils sont où? Ah, il est là. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais mettre les deux couleurs. Toc. Je vais couper ici. Et je vais utiliser la canne ici. Bonjour Marie-Dominique, comment ça va? Très heureuse de vous retrouver. Alors, je garde la canne en piscine partie. Toc. Que je vais venir mettre ici. Voilà. Et je vais utiliser. Voilà. Le petit parapluie en sorbet sucré. On reste dans les mêmes couleurs. Le combo. Fleur de cerisier, sorbet sucré, piscine partie. Toc, donc là, un petit peu de colle ici. Bon, la colle va sécher, ça va disparaître. Et puis, le haut, je vais le coller donc avec des dimensionnels. Voilà, pour lui donner un petit peu de relief. Donc, juste un, ça suffira. Voilà. Et il va me manquer deux petites touches finales. Vous allez voir. Tac. Voilà, c'est trop mignon. Et du coup, les petites touches sont le Wink of Stella. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez apparaître déjà sur celle-ci, mais j'en avais mis en fait sur le petit parapluie. Donc. Un petit peu de paillettes sur le parapluie. Voilà, histoire de donner une petite touche de plus de brillant. Un petit peu aussi sur le tutu. Voilà, hop, un petit peu de brillant ici, c'est pas mal. On peut mettre un peu sur les fleurs aussi. Je sais qu'il y en a qui sont aussi fan que moi du Wink of Stella, ça faisait un petit moment que j'avais pas utilisé. Voilà.
Voilà, ça va donner ce petit côté un petit peu shiny. Et je vais mettre des petites perles sur les fleurs. Voilà. Et ben, ça ne veut pas sortir. Voilà. Toc. Sur les petites fleurs. Qui sont en plus brillantes. En plus, une partie. Moi, je vous dis, c'est parfait tout ça. Hop. Voilà. C'est une Madame Hippo qui brille de chez Brille. Pardon pour ma tête en gros plan, je suis confuse. Hop, ok. Et du coup, il nous reste juste à coller donc l'intérieur, bien sûr, pour écrire le petit mot. Toc. Voilà, donc simplement un morceau qui mesure 10 par 14,3. Voilà, on va le mettre à l'intérieur parce que du coup, ça peut paraître utile quand même. Après, rien n'empêche de laisser simplement en fleur de cerisier. On peut tout à fait écrire sur du rose. Il n'y a aucun souci. Toc. Et voilà, du coup, on a fait une jolie carte toute simple avec une technique très sympa. Qu'on peut décliner sans aucun problème. Vous pouvez imaginer bien sûr de faire une carte en long par exemple et puis d'en mettre plusieurs, les superposer. Vraiment, il n'y a aucun souci. Et du coup, voilà, on a les deux versions, mais même principe avec la technique de masquage. Avec deux combos de couleurs différents. Donc ici, flamant fougueux, oasis d'orchidée et Copacabana pour la première version. Merci ma Cathy. Et pour la deuxième, fleur de cerisier, sorbet sucré et piscine partie. Voilà les deux versions. J'espère que vous avez pris du plaisir avec cette technique, que vous allez la tester si ce n'est pas encore fait. Et j'en profite avant la fin pour celles qui nous rejoignent à l'instant. Je vous rappelle les 2-3 infos. La première, la tombola, est toujours en cours jusqu'au 31 juillet. Donc un ticket par tranche de 80 € d'achat hors frais de port. La promo donc de la Celebration pour rejoindre mon équipe des Stamp Lovers. Donc voilà ce que Stampin' Up va vous offrir. Un magnifique agenda avec des cahiers, un set de tampons, des stickers. Donc, vraiment l'éclate pour s'organiser au mieux. À partir de la semaine prochaine, donc on se retrouve le lundi matin à 10h30 pour nos lives. Toujours sur Facebook et sur YouTube avec bien sûr les replays. Toujours disponible à la fin donc de nos rendez-vous créatifs. Et dès samedi, je lance donc les inscriptions pour le nouveau kit album que j'ai intitulé Vacances. Je vais très bientôt pouvoir compléter avec les photos que je viens de recevoir. Donc vous aurez le choix entre deux collections, forêt animée à gauche ou nuances du bonheur comme le mien à droite, avec trois options possibles au choix. Voilà, donc deux collections au choix et trois options possible. Donc les inscriptions seront ouvertes dès samedi matin à 10h30 sur ma page Facebook, entre autres sur Instagram aussi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Les inscriptions sont ouvertes donc jusqu'au 13 août 20h. Voilà, dans les mêmes conditions que d'habitude. Donc vous aurez vraiment tout le détail dans le formulaire. Voilà, voilà, je suis très contente de vous avoir retrouvé pour ce live créatif. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez appris des choses. Ah, ma petite Muriel, je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que c'est compliqué de réussir à satisfaire tout le monde. On trouvera forcément des moments, ne t'en fais pas. Et puis, il y aura toujours les lives VIP le soir aussi. T'inquiète pas, on aura forcément des moments pour se retrouver avec un grand plaisir. Changement de jour et d'horaire. Oui, oui, c'est ça, exactement. Alors, tes leçons de colorisation aux portes et... Ah, t'as pu du coup t'entraîner, Brigitte. Ça me fait plaisir. C'est top. C'est super. Merci, Nathalie.
Eh bien voilà, on arrive à la fin de notre live de retour. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous retrouver. Et puis, eh bien, je vous dis rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau live créatif. Et en attendant, eh bien, bon courage pour le travail, bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. Surtout, profitez-en bien. Et je vous donne rendez-vous très très bientôt. Ciao, ciao!